quelle est la capitale? Sachant que sur ce mode de jeu, quand les gens apparaissent avec leurs armes, c'est souvent compliqué de faire des longs trajets sans se faire tirer dessus. Battle Royale. Pourquoi capitale? Bah parce que c'est loin. Pourquoi pour se looter? Il y a plusieurs ballons de redéploiement pour s'extirper assez rapidement. Et aussi parce que ça a jamais, à chaque fois que je l'ai fait, donc une vingtaine de fois ce mode de jeu, jamais terminé au sud. Donc avec un peu de chance, ça peut aussi terminer au sud. Alors il y a des modes de jeu, des parties de ce mode de jeu, je comprends pas, parce que parfois l'avion est super bas en race mode et parfois il est haut. Mais après je trouve pas ça déconnant, ça permet de changer un peu le rythme des parties. En étant bas, on est obligé de se larguer dans la zone autour de l'avion. Donc il y a plus de combats, il y a plus de... c'est pas la même stratégie. C'est un mode où je trouve que c'est difficile de camper, vu que les gens ont déjà leurs armes, tout ça, ils peuvent être facilement push. Après tu peux aussi facilement camper avec tes armes, mais je trouve que c'est plus difficile. Alors je suis pas un joueur hyper agressif, donc j'ai pas pris fantôme parce que c'est patch. Si jamais on bouge pas. D'habitude je prends sur armement, livraison express ou alerte maximale. Il y a une caisse de ravitaillement qui vous attend. Sur ce raid. Demande de reconnaissance de la zone. Le drone commence son survol. Drone ennemi actif. Le drone est à court de carburant, il rentre se ravitailler. Oh le campeur! Incroyable! Destination marquée. Il reste 25 soldats dans la zone des opérations. J'ai pas été très bon sur mon shoot. Je sais pas pourquoi je suis sourd à chaque fois. Ok.
on va aller par là. Frappe aérienne, tirez sur ma cible. Ici Zénith 3, frappe imminente. Cible neutralisée. Frappe aérienne, tirez sur ma cible. Frappe aérienne, tirez sur ma cible. Ici Phoenix 3, frappe imminente. Thank you bro, GG too.